Mais je n'ai pas eu l'idée de créer ce chemin, puisque le dit chemin en question existe au moins depuis 5000 ans. Il remonte à la préhistoire. C'est le plus court itinéraire qui réunit l'Atlantique et la Méditerranée. Ce chemin a été révélé quand même par une association du Cantal qui s'appelle les Chemins de l'Europe. Moi, l'idée de départ, c'était de créer un itinéraire de randonnée à la carte, en boucle, pédestre et cyclable, au départ du cœur du village, bien évidemment en évitant de prendre son véhicule. Si on trace un trait sur une carte de France de Nantes à Arles, ben on retrouve d'abord Poitiers, Limoges, Aurillac, près de chez nous le passage à la Cadenne, Alpuech, Aubrac, le col de Bonnecombe, et ensuite on descend le long des Cévennes jusqu'à Saint-Gilles-du-Gard. C'est une boucle que j'ai appelée la boucle de Baltuergue, parce que nous passons par le petit village de Marceau, les bois de Baltuergue, Saint-Yves, Mels, Bedette, Orlaguet, la Banésie et donc Sainte-Geneviève pour le retour. Pour la boucle de Baltuergue, plusieurs itinéraires. On passe d'un petit itinéraire d'une heure, une heure et demie, de 8 km qu'on pourrait appeler la boucle de Marceau. Après un autre itinéraire qu'on pourrait appeler la boucle de Saint-Yves qui fera à peu près une quinzaine de kilomètres. Et enfin le circuit dans son intégralité qui fait 24 km. Bon, alors, donc, si on veut faire ce chemin en entier, c'est 750 km de Nantes à Arles. Mais dans ce chemin, le mérite de traverser notre nouvelle commune de part en part, donc ce qui doit faire à peu près une vingtaine de kilomètres. Des vues imprenables sur les monts du Cantal, les berges de la Truyère, les rives de l'Argence, le barrage hydroélectrique de Sarens. L'intérêt, c'est aussi de traverser des villages, comme Alpuech, c'est les nombreuses croix. Il est fort possible, notre religion venant de l'Est, que ce fut au départ un des chemins de la christianisation. Vous découvrez au cours de votre randonnée, de votre promenade, de vieux fours à pain, comme celui de Marceau qui a été rénové, des villages et hameaux typiques, Saint-Yves, Bedet, Orlaguet, des petits ponts remarquables, la chapelle de Mels. C'est surtout un patrimoine de paysages, paysagers. Disons que le chemin lui-même, déjà, fait partie du patrimoine. Moi, je tenais tout d'abord à remercier la trentaine de propriétaires qui ont bien voulu valider la convention de passage. Il me reste encore à convaincre un petit nombre de propriétaires, très très peu nombreux. Donc j'espère qu'avec ce petit témoignage dans la newsletter, ils entendront mon petit message et que j'aurai enfin les dernières signatures tant souhaitées. Moi, j'ai envie de dire aux gens en général, ouvrez le pays, rentrer en contact avec ceux qui passent. Certains en tomberont amoureux et certains même déjà ont racheté des maisons qui seraient peut-être abandonnées dans certains villages. Vive Nostra Montagne, tout est la même quittade, mais la même pas oubliade, à maille et tourne en reine, le talent qui est pour reine. Vive notre montagne, nous l'avons tous quittée, mais nous ne l'avons pas oubliée. Nous y reviendrons sitôt que nous le pourrons. J'évite de le chanter, vous ne me le reprocherez pas. Moi, c'est des paroles d'une chanson d'une jeune artiste, Zaz, à la voix éraillée, qui me tient à cœur, que j'aime bien. Bon, certains vont trouver ça certainement un peu naïf, mais je pense que ces valeurs-là... on devrait aujourd'hui tous aller vers ces belles valeurs-là. Donc la chanson, c'est « Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, c'est pas votre argent qui fera mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur. »